Allô, nouveau vlog pour une nouvelle expérience. On s'en va naviguer 5 jours sur le lac Champlain. Et puisqu'on n'a jamais fait ça, on part avec nos amis Sophie et Julien. Chez aux bananes. On s'en va embarquer sur un voilier de 39 pieds. Objectif, détente. Puis ben, on espère transmettre la piqûre à Flo pis Seb. Tout dépendant s'ils supportent bien le mal de mer. Ça dégage? Ça dégage. Allez, on y va. Et c'est parti pour ce premier voyage de voile. Avec ce vlog, je veux vous partager notre expérience. Notre aventure démarre donc à la marina de Monty Bay, et pour le moment, on charge le bateau. Puisque c'est le début de l'après-midi, on va faire quelques miles avant de s'ancrer pour la nuit. Une fois l'ancre levée, on fait un petit tour du propriétaire. Welcome aboard! On est présentement à l'intérieur du Sea Wolf, un Jeanneau 2009 de 39 pieds. Je vais vous faire un petit tour. Ici, c'est la cuisine, un évier, le frigo. Ça ici, c'est le carré qu'on appelle. Puis ça devient aussi un troisième lit. Ici, ben, c'est la toilette qui pue. Hein? On se douche aussi là-dedans. Ici, tout au fond, c'est une des cabines arrière. Très confortable. Mais faut pas être claustrophobe, par contre. La chambre avant, lumineuse et spacieuse. On est maintenant dans le cockpit, donc c'est ici que la navigation du bateau se passe. Donc on a les deux voiles maintenant qui sont hissées avec un joli vent arrière de combien? 14-15 nœuds. Hein? C'est ça, on n'est pas pressé, puis on profite du soleil! Apprentissage numéro 1. Chaque membre d'équipage a des responsabilités bien définies. Je commence donc avec une présentation de la team. Julien, le capitaine. Il doit respecter tous les règlements pertinents, assurer la sécurité du navire et de l'équipage. Sophie, c'est notre second capitaine. Elle tient la barre à la demande du capitaine, met à jour toutes les cartes marines et prépare les plans de traversée. Seb et moi-même assurerons les rôles de matelots non brevetés. En bref, on suit les instructions. Et enfin la relève, Maxime, 9 mois. Après cette mise en jambe, c'est notre première nuit sur l'eau. C'est dans la petite baie de Nichols Point que l'équipage a choisi de jeter l'ancre. On se familiarise avec notre nouvel espace de vie. La soirée s'annonce paisible avant d'aller se coucher. Maxou, ça s'est passé comment ta nuit, toi? T'es skipper, ça s'est passé comment? Comme un petit roi. Comme une petite reine. Moi, j'ai eu vraiment froid. Enfin, surtout quand il a commencé à nous pleuvoir dessus parce qu'on avait laissé les coutilles ouvertes. Mais non, j'ai bien dormi, j'ai pas le mal de mer encore. Risque d'un orage tôt ce soir. Hauteur prévue de 30 à 40 mm. Minimum 16. De pluie? Mardi, nuageux, 60% de pluie. 30 à 40 mm de pluie. On va couler là! On y est? Une chance qu'on ait toi. Vu qu'on est deuxième journée, on a le vent qui descend. Moi, je ferais de la distance aujourd'hui. Le vent, il fait, il est pas. Il descend. Ici, il y a des bons moorings en sécurité. Ou là, genre. Vu qu'ils annoncent une tempête, c'est pas bien d'aller se cacher. Là. Mais le vent, il vient de là. C'est drôle parce que les vents dominants, normalement, c'est le contraire, c'est vers le nord. Ouais. Moi, ce qu'il disait, que tu remontes avec le vent dans le cul. C'est ce qu'il a dit. Moi, bon, je cite, on va profiter cite, de si le vent nous amène, on va le prendre. La décision est prise. On part en direction de North Beach pour s'abriter d'une tempête à venir. On range le bateau pour que tout reste en ordre pendant la navigation, on ferme les écoutilles et on attrape les cordes. Seb et moi, toujours bien décidés à faire de nous des bons matelots, on se familiarise doucement avec les manœuvres de navigation. J'avoue que c'est long. Et surtout, le lexique. Apprentissage numéro 2. Ça prend un vrai dictionnaire pour comprendre ce qui se dit sur un bateau. Le haut de la drisse. Vous êtes prêt en panique? Laisse la filer un peu, chacun un peu l'écoute. Grand large. Gris numéro 2. La mort à l'ouest. Le safran est très très gros sur un bateau. On tourne en hostie, comme ça. On tourne en hostie. Première journée de navigation. On navigue par principe parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. On a hissé la grand voile, on a sorti le génois. Une petite vitesse de 3,7 nœuds, un vent apparent de 5 nœuds. Donc, on a 23 000 marins à faire aujourd'hui. Donc, à cette vitesse-là, ça va être.
Et donc ça, c'est quoi? C'est un spi, donc une voile de vent arrière, parce que là, on est à vent arrière. Nous, on n'est pas équipé dans cette voile-là, mais quand même, on a nos deux voiles ouvertes, puis on descend tranquillement. Maxou, on mange quoi à midi? Des mom-mom. Des pommes. Ceux qui me connaissent savent que cuisiner est loin d'être une passion pour moi. Là, ça faisait un peu dînette, alors on dirait que ça me tentait un peu plus qu'à la maison. J'avais aussi un peu le sentiment que c'était le seul truc que je pouvais faire sans supervision et risquer de faire une couche. La première fois que je cuisine sur un bateau, quand je cuisine sur la terre, c'est déjà pas super bon. Je suis très heureuse de vivre l'expérience de la cuisson avec un four amovible qui bouge en fonction du niveau du voilier. Est-ce que c'est parce que je me mets à cuisiner qu'on passe du soleil au déluge? C'est pas impossible. En attendant, la capitainerie choisit le mouillage de North Beach pour passer la nuit à l'abri de la tempête. Fait que dis-moi quoi faire pour immobiliser le bateau. Puis je l'envoie en bas. Tu me dis je commence à descendre, fait que moi je vais reculer. Là, on va poser l'ancre au fond du lac, on s'accroche. Fait qu'on a notre ami Seb, le courageux, qui est le volontaire désigné pour. Il a été nommé volontaire pour aller à la pluie, l'heureux élu. Contrôler l'ancre. Ok, tu peux descendre. Il pleut, mais on n'est pas en sucre non plus. Et quitte à se rincer, autant faire ça live dans le lac plutôt que d'essayer de rester à la pluie. Ça part, la piscine est ouverte. Bonne douche, Sophie. Merci. On est plus ou moins propre et il a arrêté de pleuvoir. On nous tire cette belle journée complète avec une petite soirée barbecue sur le pont. Quelque chose frappe de manière répétitive sur la coque et ça tangue fort. C'est quand on décide d'aller prendre l'air sur le pont qu'on découvre qu'on n'est pas les seuls à avoir abandonné l'idée de dormir. Va te plaindre, Captain. On dégage. Ouais, c'est quoi qui a annoncé pour naviguer. T'as pas le droit de naviguer en slip. Ouais, si. On se met ensemble. Ouais. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le vent a tourné du nord au sud pendant la nuit, faisant de notre petite baie tranquille une machine à vagues. Les bruits qu'on entendait résonner étaient en fait la chaîne de l'ancre qui frappait contre la coque. Si on n'avait pas choisi de lever le camp comme on l'a fait, on subissait jusqu'au petit matin. Hey, bravo l'équipage! Aucune hésitation. On se revoit dans le temps. Ce matin, la météo n'est pas clémente, mais puisque pour naviguer, ça prend du vent, alors là, on est servi. All right. C'est bon ça? Bon, bah 6 nœuds déjà. 6 nœuds, 2 riz, 1 demi-genois. Fantastique. Je traduis pour les non-initiés. Mais ce que Sophie vient de dire, c'est que notre voile est rendue à sa taille minimale et qu'on navigue pourtant à une belle vitesse de pointe. La voileuse en elle est donc aux anges. C'est beau, ça rend bien. Là, en ce moment, on se dirige vers la ville de Essex, un petit village au sud. On va pouvoir aller acheter de l'eau, peut-être un peu plus de café. Se débarrasser des poubelles, recyclage, puis profiter du beau temps pour relaxer, sortir les paddles. Vous avez du soleil, vous avez du soleil. Ouais. Il y a du gros vent, de la grosse vague. On a eu de la grosse vague. On vous en a affaire. Qu'est-ce qui manque? Moi, je mange. On est sur la terre ferme. On va jeter les poubelles. Donc là, on a pris le petit dinghy pour sortir du voilier qui est resté stationné là-bas. Julien fait l'aller-retour. Ils arrivent.
On est venu ici pour nous ravitailler en eau et jeter les poubelles accumulées. Arrivé sur place, on se rend compte que ce n'est pas aussi desservi que ce qu'on a lu sur internet. Alors Navionix nous a complètement menti. On vient de marcher 2,5 km avec un bébé puis nos poubelles. Finalement, il n'y a absolument aucune façon de faire ça ici. Mais là, Sophie et Seb sont en train de rentrer dans la maison de quelqu'un pour remplir nos 4 gallons d'eau. Comment? On vide les... Ouais, ça allait vraiment lentement. Alors... Ah, il y a un gallon! Il y avait un filtre, ouais. Là, ça vient lentement. Le soleil se lève sur le lac Champlain et nous avec. Direct du Seawolf. On ne cesse de planifier. Le lendemain matin, il n'y a plus aucun plan qui tient, on recommence à zéro. En fait, on peut planifier pour les 3 prochaines heures. Donc, dans environ 2 heures, on va arriver à Burlington. Puis on va s'ancrer, puis on va aller faire un petit tour à la ville, manger une petite pizza. Hein. Ça semble être un bon plan. Burlington est en vue. On place les défenses autour de la coque parce que avant de s'ancrer, on va passer au pump-out. Ça, c'est la station de pompage pour vidanger les fosses du bateau, histoire que les odeurs ne remontent pas trop. Donc ça va nous prendre un équipier en avant, un équipier en arrière, avec la mare dans les mains puis prête à ajuster les défenses. On a eu une expérience mitigée la dernière fois. Donc, ça sera pas difficile à battre. Quel travail extraordinaire de toute l'équipe. Je voudrais remercier tout le monde. Encore une manœuvre réussie ici, Wong. Après quelques jours sur l'eau, on va se dégourdir les jambes en ville avant de revenir passer une belle soirée d'été sur le bateau. Demain, il faut qu'on soit de ce côté-là. On va avoir un phare aussi à aller voir. Ça, c'est le plan. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Le plan peut rapidement changer. Prise 2, s'il y en a qui veut partir le moteur, on... Allez, c'est parti! Il partira pas, là, je vous l'avoue, je te le dis. Là. Il partira pas? Averti, ah, il partira fait que 5 secondes? Ah, ouais, donne-y. Okay. Bon, on a un break. Ouais, c'est pas le pire scénario. C'est pas mon pire scénario. Ok. Il y a juste des moins pires scénarios. Et je vais laisser le capitaine expliquer ce qui s'est passé. Donc, apparemment, le problème, c'est des algues qui poussent dans le réservoir de diesel. Ça s'accumule là-dedans, puis ça vient bloquer le tuyau d'alimentation de diesel du moteur. On a appelé le responsable de location. Il est arrivé, puis il était sûr que ça achète 15 minutes, c'est réglé. Il y avait avec un mini coffre à outils. Il y avait 4 clés, avec un rouleau du code tarot. 15 minutes in and out. Finalement, il a passé 3 heures dans la cale. Il a démonté la moitié du. Je sais pas ce qu'il a fait. Dans notre malheur, on a quand même la chance de tomber en panne dans la baie de Burlington et d'assister à un magnifique coucher de soleil. Maintenant que le moteur est réparé, on est sûr de pouvoir lever l'ancre demain. Elle a vu le ciel. Elle s'est dit, il n'y a pas un putain de nuage dans ce ciel-là. Oui. C'est ce que le capitaine avait promis. Le capitaine, après 4 jours, livre la marchandise. Elle a dit, Chris, ce matin, je me bois au café. Parce que c'est un bon matin, je me bois au café. Ça tombe bien. Café, quasiment frais. Aujourd'hui, il y a du vent et il fait beau en même temps. Le parfait combo. Tout l'équipage se lève de bonne heure et de bonne humeur pour naviguer pour de vrai. C'est parti pour la mise en pratique de cette petite semaine d'apprentissage. Ok, fait que ça va nous prendre quelqu'un sur l'adresse de la grande voile pour la monter. Quelqu'un qui va regarder l'adresse
du riz numéro 2. Au début, on la part à bras là, jusqu'à au moins la moitié. Puis après ça, c'est au moins. Allez, ici. Yeah, allez. Allez. Et c'est bon. Oh, il est prêt à tout pour nourrir son enfant et poster des photos sur le gram. Ouais, attends là, faut juste que Flo espace un peu. Seb, regarde ici. Ah, le vent reprend. Ben, on regarde au loin maintenant. Finalement. Sois passionné par l'horizon. On pose donc l'ancre pour le reste de la journée pour aller se balader sur l'île Valcourt. Un peu trop confiant, on oublie que les plans qu'on fait changent constamment. On va où alors? Le point bleu ici. T'sais, on se claque de la pluie alors que Pointe-aux-Roches, c'est ici. Fait qu'on s'en sauverait, mettons, à 3h30. Là. On serait sous un soleil cuisant. Le hiking, pique-nique, plage. Tu fais un système 2.0 de séchage dans la chambre. Ah, c'est bien. Il est fier. Ça n'a pas du tout l'air d'une tente de sans-abri. Apprentissage numéro 3. Sans voilier, quand il pleut sur le lac, ce n'est pas une fatalité. Tu allumes le moteur, tu te déplaces et tu profites à nouveau du beau temps. Ici, on est le seul spot du lac, 100% à l'abri. Ok. En fait, je mets au défi le diable de faire pleuvoir à notre spot. C'est impossible, j'ai tout vérifié, les prévisions sont sûres à 100%. À suivre dans 10 minutes. Et voilà, c'est donc à Pointe-aux-Roches que se déroulera notre dernière soirée du séjour. On profite du soleil sur le pont pour faire un point avec nos navigateurs. Est-ce que vous nous rembarqueriez sur le Sea Wolf? Ouais, des excellents matelots. Ouais. Ouais. 10 sur 10. Ouais. Très bien. C'est vrai, vous avez fait à manger presque tous les soirs. Tous les soirs? je dis presque, je sais pas pourquoi je dis presque. Vous êtes peut-être pas ceux qui se ramassent le plus, mettons, mais ça vous prenait un défaut. Ces 5 jours en voilier sont passés trop vite. Avant de partir, j'avais peur de me sentir très vite à l'étroit. Finalement, j'aurais franchement pris 5 jours de plus dans ces conditions. J'ai adoré apprendre l'utilité de chaque corde, le fonctionnement des instruments de navigation, les conséquences de chaque vent et les termes marins. J'accédais à un monde qui m'était jusque-là complètement inconnu et qui me restait à explorer. Pendant cette petite semaine sur l'eau, j'ai complètement déconnecté de ma vie de tous les jours et ça m'a vraiment ressourcée. Si monter sur un bateau et larguer les amarres, est-ce que ça prend pour avoir la sensation de vivre pleinement? Alors j'attends avec impatience notre prochaine expédition. T'es pas obligé de me soumettre. Ça laisse-tu des baleines blanches? Ah, j'ai mis. Pour encore une manœuvre réussie, ici, ah, ici ouais. Ah, 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 ah,